Bonjour, c'est Délise. On se retrouve pour la suite de ce challenge reconstruire sa vie après le dernier épisode où Axel avait rapporté des sous avec son travail, où moi j'avais fait encore des découvertes sur l'élevage de grenouilles. Mais j'étais un peu frustrée parce que je ne savais pas encore si la relation entre Christian et Morgane pourrait aller quelque part. Eh bien, bon, sans spoil, hein, si vous avez vu l'image que vous êtes en train de regarder, on peut supposer qu'il va se passer des choses dans cet épisode. Allez, hop. Une petite couche. Est-ce que ça va suffire ou... Elle pleure toujours ou pas? Bon, je vais lui donner un biberon, hein. Elle n'a pas mangé depuis longtemps, dans le doute ce sera fait. Biberon, câlin. Et lui, il faudrait qu'il se réveille, parce quand est-ce qu'il va au travail? Dans pas longtemps, dans 1 heure. Donc à 7 h ou à 8 h? Quand est-ce qu'il doit y aller? C'est l'heure du travail. Ah, c'est l'heure du travail! Allez, oust! On se lève. On se lève, on va bosser. Tu as plein de simflouzes à m'emmener. Tiens, je vais t'épingler ça parce que. Pourquoi je ne peux pas épingler? Ah oui, bah c'est vrai. Et c'est parti, Miss Lou se lève. Moi, je peux pas l'emmener aux toilettes. Non, tu sais, quitte à te divertir, je préfère autant que tu joues sur ton échiquier parce que c'est comme ça. Tu vas t'entraîner pour les échecs et tu vas gagner des points de logique. À la limite, si elle pouvait jouer contre sa mère, qui a elle à 0 point de logique. Qu'est-ce que tu... Non, 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 non. Tu vas certainement pas. C'est pas pour toi le chevalet. Allez. Rejoins la partie. Père, sois gentil, que ta fille gagne. Et elle donnait 1 000 simflouzes en objet pour enfant. Hein. J'en ai déjà dépensé 420, je. J'avoue que je ne sais pas trop dans quoi ils sont. Peut-être le chevalet, l'échiquier. Allez savoir. Surprenant. Allez. Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il gagne? Oh, bon, lui, elle va durer combien de temps, votre partie d'échecs, là? Encore? Mais je l'ai pas eu hier, ça? On ramasse les branches, on a dit. Petit gain de performance, moi. C'est déjà ça. Allez, 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 allez. Ah, mais elles ont fini. Ah! Bien, elle en a gagné une. Tout va bien. Effectivement, sa mère devant. Je crois bien que sa mère n'a absolument aucun point de logique, donc forcément. Bah voilà. Est-ce qu'on peut servir le petit déjeuner? Mais allons-y. Œuf brouillé avec du bacon. Oh, puis j'ai pas vidé son bazar là. Oh, j'ai une grenouille qui vaut encore plus. Mais alors, je vais croiser la surfeuse du soleil avec la surfeuse. Là, ça va être la fête à la grenouille. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je vais commencer à vendre pendant qu'elle prépare tout ça. Pendant qu'elle prépare le repas ici, avec ses... Qu'est-ce qu'elle fait, Lou, pendant ce temps? Ah oui, la faim. Oh, j'ai ses poissons aussi à vendre là. Hop. Les deux fougous. Il y a deux thons. Oh là là. Personne n'a voulu. Il faut que tu te débrouilles toi-même. Deux thons. Un je sais pas quoi, et puis la fraise, allez hop. Donc on a dit qu'elle avait faim, donc elle attend en gros que sa mère finisse de préparer le repas. Et pendant que sa mère finit de préparer le repas, moi je vais m'occuper de ça. La sieste. Qu'est-ce que je fais? Non, du coup, j'ai pas viré mes grenouilles parce qu'apparemment elles servent aussi d'appât. Donc je vais garder les petites grenouilles qui valent pas cher. Je vais bien sûr garder les grosses grenouilles qui valent cher. Ça, comptez sur moi. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah, je crois que le petit déjeuner est cramé. De la qualité, qualité. Excellent, mais elle vient de se battre avec sa poêle. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment ça peut être excellent? Bon, ne cherchons pas. Oui, mais si t'as envie d'aller faire pipi, vas-y. Marché aux puces. Qu'est-ce qu'il y a dans le marché aux puces? Acheter les ordures de retraite. Oui.
Dans la vraie vie, je pense que ça serait intéressant, mais je suis pas sûre d'avoir des meubles à échanger, donc je vais en rester là. Bon, après tout, elle tient à manger, qu'elle mange, hein. Une fois qu'elle aura fait ça, elle va aller s'occuper d'elle, puisque Clémence dort toujours. Enfin, dort pas, mais en tout cas, elle est sage. Voilà. Et... Oh là, Clémence, elle est tout dans le vert, c'est trop la classe. Alors, je crois que je lui ai... Lou, pardon. Hier, je lui ai promis qu'elle aurait le droit de faire ça. Ma foi, si ça lui fait plaisir. Ah, elle voulait faire du travail supplémentaire aussi. Ben, je verrai tout à l'heure. Améliorer sa faculté et compétence mentale aussi. Tu parles, ça va pas louper, ça. Alors, bah oui, moi, hop, je vais faire un peu la vaisselle, parce qu'on a dit que c'était cool que ce soit moi qui fasse la vaisselle, n'est-ce pas, Morgane? Hein, tes talents de femme d'intérieur ne sont plus à prouver. Allez, elle en est où? Oh, mais oui, oh punaise, faut que je mette ces... Faut que je mette ce lavabo à l'intérieur, parce que ça, il me saoule à ressortir. C'est bien, ils sont propres, ils sont hygiéniques, ils se lavent les mains après être allés aux toilettes, mais... Ça fait faire du... Ouh, Axel a été promu. 225. Oh là là, mais j'ai 2000 slim choses sur mon compte, mais c'est un truc de malade. Oui, bah t'as raison, prends une toile et fais-le parce que il est inspiré. Et toujours pas... Ah mais du coup j'ai eu une promotion alors qu'il n'était pas concentré. Bon, c'est pas grave. Niveau 2 de la compétence jardinage. Je pense que c'est toi qui vas aller t'occuper du jardin aujourd'hui, mon petit, quand tu auras fini ta toile. Améliorer sa compétence peinture, ça va venir. Ça y est, allez, on va pouvoir regarder ce qu'elle a... Oh non, mince. Allez, on va changer la couche sale. Et après, il faudra m'extraire tous ces fossiles. Voilà. Tac, maintenant, ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé, donc on a bien le droit de se faire un petit biberon câlin. Et on est dimanche, ça fait une semaine, demain, aujourd'hui, je sais plus. Donc, quand est-ce que j'ai le droit de faire grandir Clémence, aujourd'hui ou demain? J'ai un trou dans le doute, je vais faire demain. Allez, maintenant je vais vendre tout ce qu'il y a là-dedans. Pendant qu'elle fait ses câlins. Je vais arriver à une somme extraordinaire, j'ai l'impression. Alors, mes grenouilles. Tu m'étonnes, grenouilles surface du soleil. Oh là là, en plus, c'est deux grenouilles surface du soleil que j'ai eues. Alors, celle-là, mes aïeux, je les garde. Est-ce que je peux faire mon truc là? Hop. Oh, super. J'adore. Je kiffe. Et faire se reproduire avec. Bah. Ah, ah. Donc là, je peux... Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Je peux en supprimer deux. En vendre deux. Voilà. Je vais mettre tout le reste dans l'inventaire de loup pour la pêche. Si j'y arrive. Non, c'est pas fait. Ah. Là, c'est mieux. Parce que je vais garder mes grenouilles surfeuses machin à 125 simflouz. Hein, qui sont ici. Je vais les remettre dans l'inventaire de Morgane pour ça être sûr de là où elles sont. Parfait, parfait. Alors, on en est où? On en est où avec tout ça? On en est où? On est qu'on a 2500 simflouz. Ah, plus. Une toile, ma foi, ça commence à... 188 simflouz, il a presque doublé. C'est un truc de fou, ça. Il a presque doublé sa mise, là. Ah bah, ma foi. Et elle aura assez pour pêcher avec Appa? Non, pas encore. Il faut peut-être encore qu'elle...
Elle fait quoi? Elle veut finir lire un livre? Ouais, mais t'as pas bibliothèque. Bon, enfin, ça peut s'arranger, ça. Hein, parce qu'avec tout le pognon que je viens d'amasser, je sais pas qu'en faire là. D'un coup, je suis indécise parce que je suis passée de rien à pas tout, hein, je vais pas dire tout, mais de rien à quand même un petit peu de sous. Et j'avoue que là, je sais pas trop qu'en faire. Qu'est-ce qui. Non. Désolée, mais non. Par contre, toi, madame, tu vas appeler. Il est où? Il est là. Allez, vous allez. Bon, n'ayons peur de rien. Allez, t'enjôleuse, envoie un SMS de drague. Et n'en parlons plus. Ah, oula, mais faut que tu remontes toutes tes barres, toi, t'es bien dans le jeune, dis donc. Elle s'est donnée chaud toute seule. Est-ce qu'il répond? Ah, je vois que tu es de bonne humeur. Ah, bah du coup, peut-être. Allez, on y va. Alors, prendre des verres. Alors, c'est un rencard, mais sans. D'accord, entre à la. Et pourquoi c'est grise? Ah non. Il est passé où? Mais non, j'ai pas cliqué sur entrer à la maison. Il est passé où, machin? Christian? Le roi? Le roi? Il s'est barré. Ah bah j'en reviens pas. Eh non, mais tu vas revenir tout de suite, hein, s'il te plaît. Voilà. Non mais où? Ouais, elle va essayer de lui fourrer. Oui. Oh, elle va faire pipi maintenant. Non mais vraiment. C'était vraiment pour le plaisir en plus, elle avait rien à faire pipi. Shabini. Ah bah, il va arriver, bah encore heureux qu'il arrive, oh. Allez, de toute façon, elle est on fire. Je le sens bien. Les falaises, je crois pas y être venue souvent, hein. Ah oui, si, c'est là qu'est la piscine, là. Super belle cette piscine. Mais c'est pas tout le paysage. À nous occuper de nos deux tourtereaux. Moi, comme je sens que ça part bien entre eux, on va attaquer direct sur les interactions romantiques. Ah bah oui, il apprécie. Ma foi. Ah, bah, hop, ils sont en joueur tous les deux. On lui donne des conseils sur les relations. C'est vrai que vu ton passif, hein. À ton âge, trois enfants, plus et leur père. Ah mais non, premier baiser, on va peut-être attendre. Là, pour le coup, ça sent le râteau. Par contre, on va y aller. On va y aller. Non mais je les sens bien. Dans la conversation suggestive, je les sens super à fond. Oh, c'est bien, ça se passe bien. Il demande s'il y a personne célibataire. Je le sais, je le sais. Tiens. Est-ce qu'il accepte un petit contact physique? Ah bah oui, on sent là, on va se faire des câlins. Ah bah oui, tu m'étonnes. Je vais me laisser tenter hein, par ce premier baiser à force, hein. Murmurer suavement. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Avouer son attirance, c'est bien oui. Oh, oula, là on est mûr là. Non, ne va pas faire pipi dans les buissons. Ni une sieste. Ah bah écoutez, ma foi. Oh mince, je voulais prendre la photo, je l'ai loupée. Ah, super nul. Bon, c'est pas grave. Non, il s'en va pas quand même. Il vient de me dire sous le soul. Ah mais carrément. Non mais vraiment. Entre petite amie et bébé dans les buissons, non mais vraiment. On va se contenter de s'embrasser, déjà. Mais voyez-vous ça? Je me demande si. Ah, mais enfin, mais elle est partie s'endormir dans les buissons. Et lui, il est parti pendant ce temps, non mais. Ah, comment je l'ai pas vu? Comment elle m'a pris par surprise? Là, j'étais prête à essayer d'autres interactions. Bon, on va rentrer à la maison. Puisqu'il est parti. Ah, bah, c'est une affaire qui roule, ma foi. Je crois qu'un amoureux, bah, c'est bon, on en a trouvé un. Et bah, avec tout ça, on a bien avancé. Je vais creuser les petits trous qui sont autour. Je suis pas sûre d'aller beaucoup plus loin.
Je vais ensuite aller désherber. Et puis je vais regarder si je peux pas améliorer un petit peu leurs meubles. Alors, avec 2742 simflou, je pense pas que je puisse leur construire un toit sur la tête. Mais je peux peut-être leur changer leur literie. Et ça, finalement, je pense que ce serait bien vécu par tout le monde. Oh bah alors, tu t'ennuies, chouchou? Tu t'ennuies et tu te sens seul? Bah écoute, va jouer avec ta sœur. Hein, tu t'ennuieras moins, tu vas voir. Après, on verra. Hein, en fait. Ah mince, j'avais dit qu'en plus c'était lui qui allait faire le jardinage. Oh, mais il s'ennuie trop. Ah bah d'accord, Lou, elle se barre quand il vient. Ah bah bonne ambiance, je vous jure, entre le frère et la sœur. Ça, c'est gai. Alors, j'ai dit que j'allais changer un peu la literie. Donc, je vais. Si je garde, peut-être le garder quand même celui-là. Celui-ci que je vais virer. Qu'est-ce qu'on va prendre comme lit? Je vais prendre un lit double pour madame parce que mon petit doigt me dit que ça pourrait être utile. Alors j'en étais là parce que j'avais 4, 4, 4, 4, 4. Ah, énergie 5, le premier il est là. 1000 simflouzes. Non, on va peut-être pas abuser, passer 2000 simflouz sur un lit quand même. Je suis un peu. Parce qu'après, j'avais un énergie 4 hein, de toute façon. Hein, donc, est-ce que finalement, ça vaut pas le coup de le remplacer par un lit qui a un énergie 4 hein? Peut-être. Ça coûte maximum des sous. Ça coûte plein de sous. Dans quoi je me suis embarquée. Bon, allez, n'ayons peur de rien. Un joli lit pour madame. Un joli lit pour les enfants. Donc là, énergie 4, énergie 4. 4, 4, 4, 4. Ah, le premier, il est là, il est 5 à 830. Oh, mais je vais retomber hyper bas si je fais ça. Non, je suis désolée, je vais. Je ne peux pas, je ne peux pas. On les rechangera plus tard, les literies. Mais bon, on te cache déjà chacun son lit. Hein. Pas si mal. Hop, on fait un petit coin dortoir là-bas. Peut-être une table sur laquelle manger parce que finalement. Finalement, bah, ils mangent pas beaucoup. Hein. Enfin, si, ils mangent. Ils mangent beaucoup, plus ou moins. Mais surtout, ils mangent sur les lits. Donc je me tâte. Et oui, les tables de pique-nique. Hein, au moins, il y en a plein de tables de pique-nique, dites donc. Il n'y a pas que celle de base. Moi, de toute façon, je vais pas la garder éternellement. Donc je vais prendre celle de. J'ai plus de base là. Haha. Voilà. Ça sera pour manger. Et voilà, j'ai une surface pour poser quelque chose. De quoi j'aurais absolument besoin d'autre? Une bibliothèque. Je vais la trouver. J'ai trouvé. Bibliothèque. Alors, les bibliothèques, elles sont toutes en divertissement 5, je pense. Yes. Ensuite, ouais, bah celle-là sera pas mal, environnement 1. Hein? Ah, bah non, celle-là sera encore mieux. Vu qu'elle fait environnement 4. Hein? Donc, à faire. Hop, voilà. Ouh, c'est une grosse bibliothèque, tout ça, madame. Alors que je mets ici, qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre? Peut-être une télé? Histoire que ces petits jeunes gens s'occupent un petit peu. Petite télé. Ah, ouais. Petite télé, on est bien d'accord. 995. Oui, alors on va prendre une petite télé. Ça suffira. Et là, je pense que je vais en rester là parce que je commence à angoisser d'avoir vidé leur compte en banque. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Fini manger ça? Regarde, t'as une assiette. Oh bien, Lou. Tu vas aller essayer votre nouveau mobilier. Très très bien. Allez, on est dimanche soir, je vais essayer de leur préparer des jauges bien vertes pour le retour demain matin à l'école. Elle en est où? Elle, il faut qu'elle se divertisse, mais j'ai bien des idées. Mais peut-être pas tout de suite, là, il faut aussi s'occuper du jardin. Ah, puis je crois que j'ai récupéré des trucs quand même. Hein, mine de rien. Que c'est non, 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 demain il y a école, mais elle se coule. Ah, oui, c'est vrai qu'elle s'est endormie tout à l'heure.
c'est vrai, c'est vrai. Envoyer un SMS de Drake, j'en étais sûre. Bah, pourquoi pas, après tout, elle a un presque chéri. Elle a juste... Non, elle a... Avant d'aller au lit, hein, il va falloir t'occuper un petit peu de Clémence. Donc, on va faire tout ce qui va bien avec, tout ça. Voilà, lui... Ah bah, il se distrait devant un bouquin, bah, c'est mine de rien. Il a un télo, lui aussi, alors. Ah, elle a reçu la réponse. Oui, on pourrait, ça serait bien, mais peut-être pas ce soir. Oh, c'est triste. Allez, on me laisse traîner des bouquins. Non, ah, c'est très bien d'aller les ranger. C'est très très bien. Maintenant, comment... Ah, super. On va aller vous allez discuter tous les deux parce que je vous signale que nous avons une jauge sociale à faire remonter. Et puis toi, du coup, tu auras des robinets. Je pourrais remplacer, mais non, je vais réparer. Qu'est-ce que vous faites? Vous tournez autour du pot? Ah, oui, ça se voit, mais moi je dis pourquoi pas, on s'assoit, on discute, tout ça. Oui, la vie est injuste. Tu as peur des vampires, mais oui, il faut en parler, c'est important. Un vampire ou extraterrestre? Et pour tout ça, il faut se lever. Lève-toi, qu'est-ce que je te dis? Faut que je surveille l'heure, parce que quand même, je voudrais envoyer Lou se coucher aussi, avec ses jauges dans le verre. Hop, voilà. Utiliser, prendre une douche, réclamer, parce que c'est son lit maintenant. Dormir. Et lui, bah, c'est pas mal. On a quand même bien remonté. Il pourrait aller manger. Mais attendez, prendre des restes. J'ai pas des restes intéressants, moi, dans ce frigo là. Haha. Ouvrir le sac contenant le déjeuner. Et... Allez, mais non, c'est bon, ça suffit, elle discute là. Ah, mais tiens, c'est vrai qu'il m'avait fait des récoltes lui. Haha. Il a fait ses devoirs, au moins j'ai pas vérifié. Oui, les devoirs sont faits. Tout va bien. Et Morgane finalement. Ah, bah j'étais en train de me dire, elle reste debout. Ah oui, mais il aurait fallu s'occuper de ce tas de déchets par terre. Bon. Faisons abstraction. Mais pourquoi? Nous allons. Mince, j'espère que c'est pas ma nourriture du festival qui est déjà gâtée. C'est trop nul! Oh mince, ils sont tout fichus. Oh la loose. Alors là, j'ai pas assuré une cacahuète. C'est tout gâté. Bon ben. Voilà, voilà. Prendre des restes. Tant pis, j'ai qu'à faire gaffe. C'est dommage, hein, j'avais rapporté plein de nourriture. Pourquoi tu vas manger là-bas? Tu m'expliques. Alors que t'as une table. Doit pas être très confortable. Super, mais Justin Delgato, il est quand même à fond. Bon, allez, tout ça à la poubelle. Hein. Ou pas, vous y arrivez ou pas? Oui, je voudrais m'en débarrasser en fait. Voilà, voilà. Et on va arriver au bout de ce week-end. Oh, divertissement encore. Zut, il est 23h. Je vais pas pouvoir lui remonter bien sa jauge de divertissement. De toute façon, il faut qu'il aille au lit. Vas-y. Dormir. Ah, il vit dans un bel environnement. Mais oui, il n'y a juste pas de mur. Mais à part ça. Bon, allez, tout le petit monde est au lit. Juste. Hein? On va faire ça parce que moi je vais me parer pour ma surveillance, mon habituelle surveillance des nuits de Clémence. Moi je vais en rester là pour ce let's play. Je vous dis portez-vous bien jusqu'au prochain épisode et puis à bientôt!